Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une boulangerie. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a demandé de la faire. J'aurai besoin de vitres, de portes en acacia, d'une rouge, d'une blanche et du béton blanc. Voilà. Vous savez, donc si vous avez une route, moi je vais récolter de 1, 2, 3, 4, 5, de 5. J'ai oublié de vous dire, alors vous faisiez 2, on va dire 10, 1. Voilà. Et puis même, 12. Voilà. Donc du coup, ici, ce sera la porte. Vous aurez aussi besoin de béton gris. Ou un autre béton comme vous voulez. Et moi, je vais mettre du béton gris. Voilà. Tout ça, c'est fait. Vous faites monter de 4. Et on sera une boulangerie avec quasi 2 étages. Donc, vous faites monter de 5. Et 6. Voilà. Faire monter un petit peu, vous faites une bande, de chaque côté, voilà, et voilà, ça c'est fait. Boucher, puis vous creusez de 1. Voilà. Maintenant déjà vous avez la façade de votre boulangerie. Donc, vous aurez aussi besoin de béton marron et de terre cuite marron, oui, de terre. Ou avec de la laine, moi je vais faire avec de la laine marron et du béton marron. Voilà, on s'en est débarrassé, c'est très bien. Ici vous mettez ça comme ça. Donc ici vous allez faire rentrer de 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites rentrer de 5 en avant. Donc dans la boulangerie. Et puis vous faites ça là, des deux côtés. Alors j'ai eu un gloussement de langue. Ça ne fait rien de toute façon. Donc le béton gris clair, on va en mettre un petit peu ici comme ça. La même chose de l'autre côté. Voilà. Pour l'instant ça ressemble à ça. Donc là, vous allez faire reculer de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce sera un carré. Hein. Quasi un carré. Ce sera un mini rectangle. Ça fera presque un carré. J'avais oublié que finalement, j'avais fait 12. Donc du coup, ce sera pas un carré, ce sera un rectangle. Faites tout passer comme ça, voilà. Ok. Alors, voilà. Voilà. Ici, bon, si vous en avez, moi je vais faire comme ça. Tac, 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 tac. Ça et voilà, faites la même avec la laine. Tac, 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 tac. Voilà. Il y aura une petite vue sur l'intérieur. Ce serait une sorte de terrasse couverte.
Enfin, c'est une terrasse couverte. Donc, les fenêtres, c'est plutôt une très grosse baie vitrée. Vous la faites monter jusqu'au plafond. Ce qui va donner un petit quelque chose de assez stylé. Voilà. Voilà. Tout ici, voilà, vous pourrez très bien voir à l'intérieur. Ce que je trouve bien. Maintenant, ici. Tout ça, il n'y a aucune fenêtre. Oups, je me suis trompée. Mais non! Voilà, aucune fenêtre. À part quelques-unes ici. Tac. Une sorte de lucarne. Voilà. Vous en mettez une grande comme ça. À part ici, il faut quand même qu'il y ait une symétrie. Voilà. Franchement, ça ressemble à ça. C'est quand même joli. Ici, vous faites la même chose. Ah non, allez, ouais, je suis gentille. On va mettre une vitre. Voilà. C'est fait. Oui, c'est ça vous fait une petite vitre de neuf. Si vous avez envie, vous pouvez faire très bien comme ça. Ça donnera un petit style. Encore une fois. De toute façon, ici, ce sera comme ça, là. Ah non, il ne faut pas que je fasse ça, sinon il n'y aura pas la place pour la personne qui vendra les pains, les gâteaux et tout. Voilà. Ici, ça c'est fait. Si vous faites ça comme ça, ça, voilà. C'est pas mon fort, les pixel art, hein. Encore passer de 1 et 2. Donc, si vous n'aimez pas mon pixel art, bah, ça fait rien, vous pouvez très bien en faire un autre. Voilà, tac tac tac. Ouais, ça ressemblera pas du tout. Attendez, attendez, attendez. Vous allez prendre de la planche de chêne. Et voilà, du coup ici c'est votre pain. Ouais, peut-être même un petit peu grand. Boum, voilà. Du coup ici, vous avez votre pain. Si vous avez envie, vous pouvez très bien faire comme ça, voilà. Du coup ici, c'est votre pain. Voilà. On va quand même faire revenir un hein, comme ça, voilà, pour que ça donne un petit peu plus de relief. Vous remplissez à l'intérieur. Bon, dites-moi si je n'explique pas très bien en vidéo, enfin dans les commentaires plutôt. C'est tout pas très bien dans les tutos parce que je sais que je vais quand même assez, je suis quand même rapide. Donc du coup, si je n'explique pas très bien, j'essaierai de faire la prochaine fois un petit peu plus moins rapide la vidéo. Voilà. Du coup, ici, comme ça, vous mettez deux de chaque côté. Parce que moi, en fait, je trouve que je suis rapide à expliquer. Du coup, deux de chaque côté. Voilà. Et puis, encore un. Puis ici, bah, sinon, vous en mettez pas. Ça ne fait rien du tout. Ça aura même un petit peu plus ça fera un petit peu mieux même. Voilà. Du coup, vous remplissez de béton blanc. Faites pas attention aux bruits qui sont derrière, hein, encore une fois. Mais si je pense que vous entendez pas, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, finalement, en fait, il n'y avait aucun bruit.
Franchement, là, ça fait un petit peu collé. Attends, ça pourrait faire si on va si je fais ça comme ça. On dirait du pain? Non, pas du tout. Alors. Que c'est du pain. Mais c'en est pas. Je dis c'est petit pain. Ok. Ce n'est pas du pain. Ah bah voilà. On dit que ça c'est du pain. Du coup vous allez prendre des murets en pierre taillée. Et pour faire comme si c'était un vrai panneau. Hop là, même si en réalité c'en est vraiment un. Vous mettez ça comme, comme si ça tenait le panneau. Et puis vous allez prendre la même chose, mais ça là, des dalles en briques de pierre. Et voilà. Et d'ailleurs aussi vous allez prendre des lanternes. Vous en mettez une à chaque coin. Voilà. Enfin quasi chaque aux trois coins. En même temps c'est quasi. Ouais, ce serait un petit peu moins comme ça, on aurait dit un triangle. Bon, ou sinon comme ça vous faites la même, vous faites à peu près ça. Ça fera quand même beau. Enfin ça fera quand même beau. Ça fera quand même beau, ça va à peu près rien dire du tout. Donc ici vous avez votre petite petite boulangerie. J'ai dit mieux à chercher un mot simple. Tout à fait sain boulangerie. T'inquiète, il met un prêt. Boulangerie, boulangerie. Ah oui, boulangerie, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, vous avez votre boulangerie. Que je trouve vraiment très belle. C'est sorti de mon imagination, comme ça. Ça aussi, c'est sorti de mon imagination. Donc, je vous dis ciao. Encore une fois, pour une nouvelle vidéo. Et si je n'ai pas de skin, c'est parce qu'encore une fois, je vous le dis, mon compte Microsoft s'est supprimé. C'est un compte permanent, je le savais pas. Et donc du coup j'ai plus mon ancien skin. D'ailleurs, une statue en son hommage, là-haut. Sniff Sniff, beau skin. Au revoir. Voilà. Donc je vous dis ciao sur cette vidéo.